Bienvenue dans les dossiers de la mémoire. L'émission d'aujourd'hui aborde un moment exceptionnel et important de la guerre de libération nationale. Il s'agit du congrès de la SOUMAM qui s'est ouvert ici même, dans cet endroit, dans cette maison, lors de du début de la deuxième semaine du mois d'août 1956 et qui s'est terminé ici également à Ifri-Ouzleghen le 20 août 1956. Il s'agit également d'aborder les préparatifs et les circonstances du déroulement de ce moment important de la guerre de libération nationale. Pour justement revenir sur cette date du 20 août 1956, j'ai le plaisir de recevoir le Moudjahid, M. Djoudi Atoumi, ancien officier de l'armée de libération nationale et auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre de libération nationale. J'ai le plaisir également de recevoir un historien et enseignant-chercheur à l'université de Béchaïa, M. Ouattmani Settar. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Je commence par vous, M. Atoumi. J'ai dit que le congrès s'est ouvert ici à Ifri-Ouzleghen lors de la deuxième du début de la deuxième semaine du mois d'août 1956. Vous le confirmez, ce... Bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, le congrès a commencé dans la deuxième semaine, du début de la deuxième semaine d'août. Ici, après certaines élucubrations, parce qu'au début, c'était prévu dans le Constantinois, puis à la Qala'a, et enfin, c'était finalement à Ifri que s'est tenu le premier congrès du Front de Libération Nationale à Ifri. D'un point de vue maintenant, le regard d'un historien, le choix de cette période pour tenir donc cette rencontre importante de la guerre de libération nationale. Bon, c'est le hasard de calendrier, parce que les préparatifs, c'est bien avant. Oui. C'est début 56. Et au fur et à mesure, qu'avancent les préparatifs, on tombe au début de l'été, tout est prêt. Tout est prêt, le choix du site, les délégations, les invitations envoyées. Donc ça tombe avec le début de l'été, c'est ce qui explique que c'est fait au mois d'août. Alors, Monsieur Djoudi Atoumi, ce congrès intervient également une année après la fameuse Oui. Offensive du nord constantinois menée par Zeyrout Youssef vaillamment, qui a impliqué en plein jour le peuple Oui. Du nord constantinois pleinement dans la guerre de libération nationale. Absolument, c'est une date historique où le responsable du nord constantinois, à leur tête Zeyrout Youssef et Ben Tobal, ont déclenché les assauts à travers les postes militaires et même les villes comme Skikda, comme El Harouche, comme Smendou, où ils ont attaqué en plein jour les positions coloniales, les positions de l'armée et même des colons, ils se sont acharnés justement avec un courage extraordinaire pour démontrer l'adhésion de tout le peuple. Il faut signaler que ces assauts ont été organisés à la veille de la tenue de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour montrer au monde entier que ce peuple d'Algérie est du côté de l'armée de libération nationale et du Front de libération nationale. Monsieur Ouattmani Settar, une année après donc cette offensive du nord constantinois, les responsables de la révolution décident de se concerter sérieusement parce qu'il fallait donner une autre assise, renforcer plutôt l'assise politique et militaire Alors, de l'ALN et du FLN en même temps. Oui, il ne faut pas oublier une chose, il y a à l'époque ce qu'on appelle une accélération des événements, Oui. surtout après le 20 août 1955. Il y avait la démission des élus. Il y avait au niveau français, il y avait la dissolution du Parlement, une nouvelle élection en France, un nouveau gouvernement. Et en Algérie, pas d'élection, parce que c'est la guerre. Donc tout ça, il y a beaucoup d'événements. Et voilà que les responsables du FLN, surtout
à leur tête à Bandar, puisqu'il était à Alger, la capitale. Il devient indirectement le coordinateur, son titre officiel, mais il est le coordinateur. C'est lui qui envoie des contacts un peu partout. Alors il est à deux, donc il a envoyé ça à Dahlem. Vous savez qu'en 1954, il n'y avait pas une tête pour la révolution. Chaque colonel de zone, il dirige sa propre wilaya. Et puis donc, avec ces contacts-là, et aussi le contact entre l'intérieur et l'extérieur, puisque là on a renoué le dialogue, donc il y a un échange de lettres, c'est là que l'idée d'un congrès est venue. Elle s'impose. Et un congrès, tout le monde est d'accord sur le principe, donc les résultats de ces contacts, tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. Ça demande du temps. Ça a pris à peu près 6 mois de préparation. Parce qu'il fallait faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui, les préparatifs, donc, Monsieur Atoumi, il a dit que c'était à Alger, mais il y avait une équipe autour de Ben Hamdan. Voilà, Oui. très bien. Il y avait Ben Hamdan et puis l'Arabie Ben Mehdi, Oui, bien sûr. qui était vraiment le. D'ailleurs, c'était lui le président du Congrès. On va Voilà, le duo, Ben Hamdan, l'Arabie Ben Mehdi, était inséparable. Et ce sont eux qui ont organisé, qui ont préparé. Avec Amr Ouzguen également, et une autre équipe pour préparer les textes de l'avant-projet du camp. Parce que le projet, à la réunion, il fallait présenter des documents, des résolutions déjà préparées. Et c'est comme ça qu'ils ont préparé, qu'ils ont fait un travail admirable. Admirable à lire les documents du Congrès actuellement, la charte de la Soumam, c'est un travail de grande haleine. Mais je voudrais ajouter que ce congrès devait rassembler les maquis et les responsables de l'extérieur. Et dans ce sens, Aban Ramdan a écrit une lettre en avril 1956 à la délégation extérieure du FLN pour demander aux membres d'envoyer deux parmi eux pour assister au congrès qui initialement était prévu dans le Nord-Constantinois. C'est-à-dire sur le territoire de ce qui allait devenir la wilaya de La wilaya Istanbul. 2, non, non, la wilaya Oui, 2. oui. Et puis finalement, il y a eu une. À la demande des responsables parités de la zone 4. Voilà, parce que le Nord-Constantinois était trop loin par rapport. Il fallait choisir le cœur de l'Algérie. Oui. Il fallait choisir le centre. Et le centre de l'Algérie, c'est la Soumam. Non, la non, avant, M. Toumi, c'était Oui. pas Daqla Abni La Abbas? Qala, oui. Oui, La Qala, oui, alors qu'est-ce qui s'est effectivement. passé? Oui, Pourquoi? La Qala, d'abord, c'est pour un hommage à la résistance de Cheikh Moukrani. Moukrani, que le congrès, que les responsables des maquis se sont rencontrés dans son village. Et puis, il y a eu un incident de dernière minute, c'est lors de la traversée de la route nationale numéro 26. Ils sont tombés, la délégation qui est venue de la CAT, enfin de la Lorani, l'Alger, l'Algéroua et la Kabylie sont tombés en embuscade à Laran. Et dans cette embuscade, la mule qui transportait les documents et la sacoche du colonel Amaran, du futur colonel Amaran, a été. La mule, à la mule, au premier coup de feu, elle a détalé Oui. sur la route nationale. Elle a rejoint un poste militaire français, paraît-il, là où elle se trouvait déjà auparavant. Et Il c'est paraît comme que ça. c'est un agent de liaison qui l'a déjà volé Voilà, et c'est comme à ça. une ferme d'un Voilà, colon. et c'est comme ça que les documents ont atterri chez l'ennemi. Mais auparavant, il y avait quelques supputations pour dire que c'est quelqu'un qui a détourné les documents, puisqu'il y avait une sacoche qui contenait 33 millions d'anciens francs. Finalement, ce n'est qu'en septembre que le Canard enchaîné a publié un article disant que la mule. La mule De Krim Belkacem. le bourricot de Krim Belkacem transportant les archives a été capturé et on a trouvé etc. Donc le secret a été gardé de juillet, je rappelle, juillet août jusqu'à septembre pour que l'information soit diffusée.
Et juste après l'embuscade, il y a eu un dialogue entre Krim et Amirouche, parce qu'Amirouche était le chef de la Soumam, c'est lui qui connaissait, qui maîtrisait la situation, oui. Et ils se sont entendus sur le village d'Ifri pour tenir le congrès. Alors, oui. J'ajoute par rapport bien sûr. Aux préparatifs, oui. Ce qui a facilité la tenue du congrès, c'est que l'année 56, c'est l'année de l'Union nationale. L'Union nationale pour le FLN. Tous les partis politiques, toutes les associations qui ont un rapport avec la politique, beaucoup de personnalités ont rejoint le FLN en 1956. Les ulémas, les centralistes, l'Udmadov Ratabes. Les communistes, directement. Individuellement. Alors, mis à part les missalistes, tout le monde a rejoint le FLN. Donc, c'est l'Union nationale autour du FLN qui devient pratiquement le porte-drapeau de la Révolution. Le front, alors, le véritable front. Il faut officialiser tout ça. Il faut introduire ces personnes, ces acteurs dans les institutions qui vont être créées. Alors, ça, c'est une raison supplémentaire qui a donc encouragé les acteurs de l'époque à passer donc pour organiser cet événement. Et n'oublions pas aussi ce qui a facilité les contacts, c'est qu'il y avait beaucoup de chefs de wilaya qui passent par Alger. Donc ils font des va-et-vient. Krim El Qassem, il est en Kabylie, il est à Alger. Le Amran de l'Algérois, il passe à Alger. Ben Mehdi, la même chose. Il reste Zeroud Youssef. On a envoyé une délégation spéciale, donc Saad Halib. Il est parti au Marquis pour discuter avec lui, Yannid, de la part de Abban. Et donc, rien n'empêche maintenant pour organiser ce congrès. J'aimerais vous poser une question, peut-être qui n'a jamais été posée. Vous avez évoqué les préparatifs. C'était en ville, c'était à Alger, c'était dans les centres urbains, etc. Oui. Mais les responsables avaient tenu à ce que cette rencontre, cette réunion, ce congrès doit se tenir au cœur des maquis de l'ALN. Pourquoi, à votre avis, d'un point de vue historique et puis d'un point de vue donc, d'un ancien Moudjahid également? Oui. Bon, je pense pas y aller. Symboliquement, c'est important, c'est pas par hasard. C'est-à-dire, opter pour un maquis, c'est-à-dire pour tenir ce type de réunion qui était dangereuse, oui. À plus d'un titre, etc. Alors, Alger, les acteurs de FLN à Alger, à leur tête à Ben, c'est la seule zone, c'est la seule région où les acteurs vivent en ville. Ils vivent dans la clandestinité, ils ont des refuges, ils ont des maisons. Ils vivent parfois même dans des maisons d'Européens, dans les quartiers européens. Oui. Des gens qui participent, qui soutiennent le FLN, à l'exemple de Pierre Chaudet. Sa villa, elle était à la disposition des acteurs de FLN. Alors, un jour, peut-être, ils seront arrêtés. On arrête une personne. Mais est-ce qu'ils vont prendre le risque d'organiser un congrès, tous les acteurs de la Révolution, de l'organiser dans une ville, prendre le risque qu'ils soient arrêtés? C'est quand même un danger pour la Révolution. Donc, la question ne se pose même pas. Il faut une région isolée, protégée. Il faut des moyens de repli. Donc, c'est clair que l'idée n'est jamais venue à leur esprit de le faire dans une ville. Monsieur Atoumi, donc on a évoqué les dangers, mais ici à Ifri, vous l'avez écrit. Vous avez dit que le congrès s'est tenu à une heure de marche. À une heure de marche d'un poste militaire. Donc, on est à la barbe, je reprends votre expression, de l'ennemi. Oui, absolument. Alors, est-ce que c'était une aventure à l'époque de la part... C'était un défi d'organiser ce congrès à Ifri, qui est à une heure de marche de poste militaire. Et puis, très dangereux, je me souviens. Du point de vue du relief, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce doigt, mais il y avait la confiance de la population. La population était entièrement acquise à la lutte armée. D'ailleurs, avant d'aborder le pourquoi du congrès, moi je vais avancer pour dire que Abban Arman, à la fin du congrès, a dit il faut être fou pour organiser un congrès à Ifri. Oui. Parce que la sécurité n'était pas assurée. Mais
c'était sans compter sur la stratégie d'Amirouche oui. qui avait assuré la sécurité du Mali. Maintenant, je reviens, si vous le permettez. Sur le plan symbolique. Le pourquoi du Congrès. Oui. Le pourquoi du Congrès, parce que, comme l'a dit notre ami Stahl, il fallait faire le bilan du chemin parcouru depuis 1954 jusqu'à 1956. Parce que pendant toute cette période, il n'y avait pas de découpage. Les chefs de groupe des Moudjahidines allaient à la conquête des territoires en organisant les villages, les douars, selon leurs forces, selon leurs initiatives, selon leur bonne foi. Et donc, il n'y avait pas de limite. Et puis, les responsables, les véritables chefs, c'était de ces groupes qui avaient un droit de vie ou de mort. Donc, pendant cette période, il fallait procéder à une épuration des villages, liquider les traîtres, les indicateurs, les caïds, etc. Et rassembler tout le peuple, intégrer le peuple au sein du mouvement. Dans le dispositif révolutionnaire. Donc il fallait faire le bilan, il fallait changer d'optique. Et puis projeter une organisation de cette ALN qui commençait à prendre de l'ampleur, qui est dans la guerre de libération, s'est embrasée à travers tout le territoire national. Donc, l'objectif, c'est de faire le bilan du chemin parcouru, d'organiser cette ALN et de la projeter sur l'avenir afin de parvenir au mieux à la victoire. Monsieur Ouattmani, Stahl, est-ce que vous pouvez nous dire qui a pris part donc à ce congrès et qui a, comment donc voilà oui, on commence vraiment à évoquer le déroulement des travaux de ce congrès. Là, justement, l'une des clés de réussite de congrès, c'est la présence de quatre zones sur cinq. Oui. Parce qu'il y a certains qui contestent la légitimité, mais quand on fait le calcul, est-ce que 4 sur 5, c'est beaucoup? C'est beaucoup. Donc, il y avait une absence. C'est la zone 1 et c'est justifié parce qu'il y avait le Bomboulaïd qui est mort au mois de mars. Donc, il peut pas. Il n'y avait pas un successeur. Donc, personne n'est capable d'y aller pour le. N'est officiellement apte pour assister. Donc, ça s'explique. Il y avait aussi la délégation extérieure qui n'a pas assisté pour plusieurs raisons. Logiquement, on ne peut pas contester une légitimité puisqu'il y avait 400 sur 5 qui ont assisté. Il y avait, si tu permets, il y avait oui. la zone 6, oui. Ali Mlah qui était absent parce qu'il a été retenu par des affaires urgentes, mais qui a délégué quelqu'un pour lire le rapport de la zone 6. Oui. Officiellement, elle n'existe pas en tant que zone, mais quand même, sur le terrain, elle existe. C'est-à-dire, les gens, ils activent, c'est le front du non, sud. Non, elle sort à l'émanation en tant que wilayat du congrès, justement. Officiellement, après le congrès. Il y a eu un rapport qui a été lu oui. au nom de... Ils ont envoyé un rapport au nom du sud. Alors, revenons maintenant au déroulement, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, ça a commencé... Vous avez parlé des absents. Les présents maintenant. Ouais. Voilà. Les présents. Donc, voilà. Vous avez la zone 2, une délégation de zone 2 à sa tête, donc Zéro du Youssef. Donc il y a le Motoba, les cafés, d'autres personnes musulmanes qui ont assisté. Je parle de délégation. Oui. Vous avez la zone 3, donc Kerim El Qassem. Tu m'excuses, ils n'ont pas participé au congrès. Ils sont venus en délégation. Oui, bien sûr. Ils sont restés dehors, à l'extérieur. Oui. Mais au sein de la réunion, il n'y avait que deux de la zone 2. C'est Zirut Youssef oui. et Ben Tobal. Ils ont fait une exception pour la zone 2. Représentée par deux responsables. Les autres, non. C'est pour lui donner de l'importance, justement. Après, justement. Après ce qui s'est passé le 20-56. Voilà, 20-55. Oui. Voilà. 20-55. Oui. Donc, la zone 3, c'est la Kabylie. Donc, je parle avec Kerim El Qassem, Hamdi Saïd. Amirouche. Amirouche, oui. La zone 4, c'est la Giroise. C'est le. Donc, Amran. Sadaq, comment Sadaq et les autres. Vous avez aussi la 5, c'est Ben Mehdi. Il est venu seul. Ouais. Ça n'empêche qu'il est chef de zone. Ouais. Plus, donc, on a donné aussi une place spéciale pour
pour Aben, qui était donc membre aussi de Congrégation MAM, bien qu'il ne représente pas une zone, puisque c'est Alger. Alger, c'était oui. une ville un peu spéciale. Oui. Elle n'est pas encore zone autonome. Elle sera après le Congrès. Mais c'est une ville qui s'est imposée par le fait que c'est une capitale, par ses activités. Alors, il a pris une place très importante depuis qu'il a rejoint le FLN en janvier 1955. Alors, il s'est imposé de fait. Il s'est imposé de fait par toutes les activités faites bien avant. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته Alors il est désigné membre d'office de parmi les six qui ont présidé les reines du congrès. Donc le débat est ouvert. Oui, il faut préciser que les membres des délégations n'ont pas assisté au congrès. Oui. C'est important. Oui. Voilà, c'est important. Oui. Il n'y a que chaque wilaya, chaque zone a été représentée, sans prétendre, à l'exception de la zone 2, le Constantinois, qui avait deux représentants. Donc ils étaient six membres. Oui. Six membres qui ont assisté, qui ont pris des décisions. Les autres sont restés à l'écart. Voilà. C'est-à-dire, il y a des consultations de temps en temps. Oui. Donc, chaque chef de délégation sort pour discuter avec Alors, vous avez dit tout à l'heure, donc, le congrès s'est déroulé pratiquement...
pendant une période de 12 à 13 jours. De 12 à 13, oui. À 13 jours. Oui. Donc il y avait vraiment des discussions sur toutes les décisions qui allaient être absolument prises. Oui. Absolument. D'abord, il faut dire que c'était un calendrier itinérant. Oui. Il a commencé à Ifri, oui. Après Erbin, Temelewin, et puis retour à Ifri, où les décisions ont été prises. Entérinées, voilà. Entérinées. Donc, pendant toute cette période, quand on voit la stature de ces grands hommes qui ont siégé au sein de ce congrès, c'est dire que l'affaire a été très sérieuse. On lui a donné de la considération et puis des décisions très importantes ont été prises à l'unanimité. Et ces décisions, comme nous allons les voir tout à l'heure, concernent aussi bien le domaine politique que le domaine militaire, que les problèmes FLN à ALN, éclaircir les relations de FLN et de l'ALN, et déterminer les relations entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'extérieur. Alors, oui. Par rapport justement aux décisions, beaucoup de gens ne distinguent pas entre deux choses. Il y a ce qu'on appelle la plateforme de la Soumam. Oui. C'est l'idéologie de FLN, c'est le programme de FLN. C'est quelque chose que la FLN n'avait pas avant. Là, ils ont pensé donc à préparer quelque chose de solide. Et celui, et c'est beaucoup plus destiné à la scène mondiale et à l'opinion publique mondiale, c'est lui qui veut connaître le FLN, comment le FLN pense sur le plan politique, sur le plan de la fin de la guerre, des négociations, de la propagande. Tout ce que vous voulez, vous le trouvez dans ce document très détaillé, fait par des spécialistes bien avant, enrichi bien sûr pendant le congrès. Donc ça, c'est ça ce qu'on appelle la plateforme. On peut en parler, aller sur le détail, mais il faut séparer entre la plateforme de la Soma, ce document qui est adopté, qui reflète donc l'image de FLN à partir de cette date-là. L'autre chose, c'est des décisions prises ce jour-là pour organiser l'ALN et le FLN. Là, c'est des décisions adoptées. Il y avait des décisions urgentes, comme il a évoqué tout à l'heure M. Atoumi, la moralisation. Voilà. Des maquis. Et l'humanisation. Et l'humanisation des maquis. Absolument. Très important. Oui. Oui, effectivement, c'est une question importante parce que jusqu'au 20 ou 56, les chefs de groupe armé, le FLN, avaient mené une politique de terreur. La terreur pour obliger les gens à intégrer le FLN. Et puis, il y avait une mauvaise image. Les médias français ont propagé une mauvaise image du Mujahed, de la révolution algérienne. Donc, on a décidé, dans le Congrès, de montrer une autre image du FLN, la moralisation, l'humanisation. Donc, et puis, interdire le pouvoir personnel. Très bien. Il y avait l'intégration d'un pouvoir collégial, d'abord. Oui. Ensuite, interdiction des exécutions unilatérales des chefs, en introduisant des tribunaux au sein de chaque structure du FLN, de l'ALN. Et l'accusé est assisté d'un avocat. Et interdiction des égorgements. L'accusé, le condamné doit être. L'exécution de la condamnation doit se faire soit par pendaison, soit par balle. C'est quelque chose de très important. Et puis également, on a structuré les maquis, du point de vue territorial. Oui. On a structuré l'ALN, du point de vue grade, du point de vue unité combattante. Oui. Et on a déterminé les relations entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est comme ça que. Le FLN a instauré un pouvoir collégial au niveau du découpage, là où il y a la zone, la région, le secteur, il y a un comité politico-militaire à la tête duquel il y a un responsable et qui, dont les décisions sont prises en commun. Un responsable d'une structure n'a pas le droit de prendre une décision tout seul. C'est très important, c'est pour éviter les abus. C'est pour éviter les excès d'un pouvoir personnel. Là, quand les décisions sont prises ensemble, il y a un self-control.
Oui, oui, par rapport à ces décisions importantes. Par rapport aux décisions, ça a touché tous les domaines, politiques, économiques, sociaux. Mais si on parle de volet politique, qui est le plus important, puisque ça a un rapport avec l'organisation d'une guerre, donc le volet politique, c'est que la première des choses, ils ont créé ce qu'on appelle le comité de coordination et d'exécution. C'est ce qu'on appelle un comité exécutif. Le FLN n'avait pas ça avant. Chaque wilaya, chaque zone est dirigée par un responsable. Maintenant, on a créé un organisme exécutif qui dirige la révolution. Et il a tous les pouvoirs. Donc, c'est un organisme d'exécution. Il y a le CNRA. Oui, oui, allez-y. Il exécute les décisions prises par le CNRA. Oui. C'est-à-dire, quand je dis... Parlement. Qui joue le rôle de Parlement. Oui, le Conseil national de la Révolution algérienne, qui a été également l'émanation de ce congrès. Oui. Quand je dis tous les pouvoirs, après la réunion de CNRA. Voilà. Pendant la réunion de CNRA, tout qui revient au CNRA. L'organe législatif, c'était en quelque sorte le Parlement. Pouvoir, la séparation des pouvoirs. Oui. Une fois que le CNRA s'est terminé, c'est lui la révolution, c'est lui qui exécute, etc. Entre les sessions. Bien sûr, et, à ce moment, il dirige entre les sessions du CNRA. Donc, le congrès de la SOMAM a permis également de mettre en place les institutions de la révolution. Il organise des institutions. C'est ça, la Et c'est important également, il a fait une projection sur l'Algérie indépendante. Oui. Et puis d'autres décisions très importantes, comme les grades. Et c'est dire qu'il y avait les quatre... Alors il y avait combien de grades, est-ce que vous pouvez nous... Oui, il y a le grade de Jundi, Jundi l'Ouel, l'Arif, c'est sergent, l'Arif l'Ouel, sergent-chef, Moussaad, c'est adjudant, Moussaad l'Ouel, c'est aspirant, le Mokadem, c'est celui lieutenant, le Dabat l'Ouel, celui lieutenant, le Dabat Thani, le lieutenant, le garde de capitaine, j'ai oublié comment il s'appelle, capitaine Arif. Arif. Non, commandant Sarl Ouel et colonel Sarl Thani. Voilà. C'est les grades qui sont. Le Congrès a obligé ces responsables à porter, à exhiber leur grade. Sauf dans les combats. Évidemment, il y a une exception. C'est pour montrer que c'est une armée. C'est une véritable armée avec des grades, avec des choses. Et puis, on a institué des unités combattantes. Alors, le groupe, la section, le Katiba, et le bataillon. Voilà les unités. Genre. Et à la tête de chaque unité, il y a un responsable avec son grade qui commande cette unité. Revenir au CCE, Zerodiusov a refusé de faire partie du CCE. Oui. Il a préféré continuer au maquis. Oui. Par contre, les gens de l'extérieur, ils étaient écartés. Pourtant, ils étaient parmi les historiques, parmi les 9 historiques, donc les 3 qui étaient à l'extérieur. Mais on peut imaginer que la raison principale, c'est que la décision a été prise de diriger la révolution à partir de l'intérieur. C'est-à-dire, les gens qui vont être au CCE, ils vont être ici, à Alger, pour diriger la révolution. Alors, c'est pour ça que je pense, c'est mon avis, qu'ils ont écarté les gens de l'extérieur. Pour ne pas faire partie de... Tu m'excuses, on n'a pas écarté les gens de l'extérieur, ce sont eux qui sont... Ils étaient destinataires d'une lettre en avril 1956, signée de Ben Amran, pour leur dire que, éventuellement, vous serez parachutés dans le Constantinois, et si vous ne venez pas, envoyez deux délégués, et si vous êtes absent, nous prendrons des décisions importantes, et vous ne vous en voudrez qu'à vous-même. Voilà, très important. Donc, ce sont eux, ils sont pas venus, ils étaient loin des terrains de combat, il y avait des dangers, ils s'exposaient à des dangers en franchissant la frontière, en rejoignant le cœur de la révolution dans la vallée de la Soummam. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas... Le congrès les a invités à assister, mais ils ne sont pas venus. Voilà. Par contre, une année après, vu que les conditions ont changé, alors, cette règle n'est pas appliquée. Donc, en 1957,
après l'arrestation de Ben Mehdi, donc en mars 1957. L'arrestation et l'exécution. Oui, l'exécution. Plutôt, oui. Donc, fin février 1957, donc les CCE étaient dans l'obligation de sortir à l'extérieur. Oui. Et là, donc tout le monde est intégré au CCE. Donc, ils ont fait un nouveau CNRA et il y avait un changement dans les membres. Et tous les personnages importants étaient intégrés donc, au CCE. Par contre, la deuxième, donc la deuxième décision sur la deuxième institution, c'est le CNRA. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on a vu, Yanné, les congressistes, ils ont pensé à faire adhérer, à désigner comme membres toutes les tendances qui étaient au FLN. À savoir, les ulémas, ils ont choisi quelqu'un, la Fatah Abbas, il a été intégré, les communistes, etc. Tout le monde, on a fait une sorte d'union nationale, même dans les membres de Sénat. C'est un message. C'est un message qui est adressé. Voilà, vous avez intégré le FLN, on tourne la page de passé, maintenant tout le monde est égal. Et là, oui, ça, il faut intégrer toutes les tendances, toutes les compétences, afin de parvenir à l'union de la lutte armée. Monsieur Atoumi, donc je sais que vous avez rejoint le maquis en 1956, juste après le congrès. Après le congrès. Au mois de septembre. Oui, absolument. Début septembre. Début septembre 1956. Début septembre 1956. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que ces décisions, concernant notamment les Junoud, etc., de l'ALN, est-ce qu'ils étaient appliqués? Est-ce qu'on a commencé à appliquer tout de suite après les décisions qui ont été prises au niveau des maquis? Oui, quand j'ai rejoint le maquis à la fin du congrès, vers début septembre 1956, donc j'ai été affecté directement au PC de la Oula 3. Oui. Et là, j'ai trouvé une équipe, Tahar Amir Hoshen, c'est lui qui a à l'origine de la création du PC de la Oula 3, et une autre équipe, Salah Hussein, Hadi Gorgouz, etc. Donc j'étais intégré dans l'équipe et on imprimait les décisions du Conseil. On travaillait nuit et jour. On avait des machines à écrire, on avait une Renéo, et on a tiré des milliers d'exemplaires, et qui sont envoyés au fur et à mesure à travers toutes les structures, à travers toutes les wilayettes, afin que cette charte de la Soumam devienne un code de conduite pour chaque responsable. Parce qu'il y a toutes les questions auxquelles peuvent se poser les responsables, il y a les réponses dans cette charte. Et c'est comme ça qu'on a travaillé d'arrache-pied et que ces décisions sont arrivées même au plus bas de l'échelle, au niveau des maquis, au niveau des secteurs par exemple, les groupes armés. Il faut que le Mujahid, le Jundi, il faut qu'il sache ce qui a été décidé et même des campagnes d'explication ont été menées au sein des unités combattantes et de la population également pour montrer le vrai visage du FLN, le nouveau visage du FLN. Par rapport à ces décisions, il nous a expliqué ces réalités avec lesquelles on a commencé à appliquer les décisions dans les maquis. Mais sur le plan politique, nous savons que c'était plus dur parce que la répression va s'accentuer, notamment à Alger, l'étau va se resserrer davantage autour du CCE, le comité de coordination et d'exécution. Oui, c'est vrai que juste après le congrès, dès que la France a appris le déroulement du congrès, d'ailleurs, je pense deux mois après, donc elle a appris avec la raisonnement de l'avion qui transporte le au mois d'octobre, le 16 octobre, 1956. Donc, 22, ils ont eu le détail. 22, oui, donc, ça devient des gens à chercher. Donc, on a lancé des poursuites pour chercher surtout les membres de CCE. Il fallait les trouver. Ils ne savent pas qu'ils étaient à Alger. Donc, il fallait les chercher. Et le paradoxe, c'est que le FLN, indirectement, lorsqu'il a lancé la grève des 8 jours, ça a attiré une répression terrible sur Alger. C'est l'arrivée de Massu avec sa division parachutiste, c'est les tortures, c'est le blocage de la Casbah. Et le résultat, c'est l'arrestation de Belmédé. Et de justesse, donc les 4 autres, ils ont quitté la ville d'Alger pour partir à la... Là, la décision a été prise.
et il fallait diriger la révolution à partir de l'extérieur. Je pense qu'ils ont constaté que c'est très difficile. Il y a des révoltes dans le monde, l'exemple de Mao Tse-tung, il y a beaucoup de révoltes, ça s'est fait à l'intérieur, ça s'est fait dans les maquis. Il y a des zones libérées, il y a des zones... Les acteurs de la révolution, ils ont fait, je pense, un diagnostic. On ne peut pas faire ça en Algérie. Donc, ils ont tranché. Je pense que l'histoire leur a donné raison. Diriger, je parle en tant que direction. Oui. Ils ont été à l'extérieur. Et ils ont gagné le soutien du monde entier. Ils sont allés chercher les armes, chercher l'argent. Ils ont fait beaucoup de bruit et ça donne. Et au bout de quelques temps, c'est le politique qui a comblé ce que le militaire n'a pas pu apporter. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait, des centaines de milliers de soldats français qui étaient là avec l'OTAN, avec tout ça. Est-ce que la Hélène, avec ses 80 000 hommes au maximum, est-ce qu'il peut affronter une armée pareille? Il peut créer des problèmes, il peut faire des blocages, il peut faire... Mais est-ce qu'il allait gagner cette guerre? Donc, grâce à l'extérieur... Mais justement, oui. Stahl, je voudrais apporter une précision, si vous permettez. Oui, bien sûr, bien sûr. L'extérieur s'est trouvé isolé, l'intérieur s'est trouvé isolé de l'extérieur. Très vite. Isolé à partir de 58. Oui. En 58, les maquis se sont débrouillés tout seuls. Oui. Le soutien logistique, financier, humain, s'est arrêté brusquement avec le renforcement des barrages électrifiés du côté de la frontière tunisienne, l'Algéro-tunisienne et marocaine également. Est-ce que dans les maquis, les Junoud de la ALN étaient conscients de l'importance du congrès de la Soumam? Ou bien ce n'est que plus tard? Vous-même, par exemple, vous étiez jeune, Jundi, oui. De l'ALN. Est-ce que vous avez mesuré l'importance de ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui ont, les moudjahidis qui avaient l'esprit d'analyse pour mesurer l'importance du congrès. Oui. Pourquoi l'importance du congrès? Parce qu'un moudjahid qui est dans une unité combattante, il exécute les ordres, il participe à des actions armées, à des embuscades, des accrochages. Il n'était pas formé politiquement pour essayer d'analyser justement l'importance et même la grandeur des décisions. Mais les officiers, les responsables, oui, parce qu'ils ont un esprit d'analyse. Pour nous, quand on faisait l'impression de ces... On imprimait les documents, on se rendait compte de l'importance de ces documents, tant du point de vue intérieur qu'international. Parce que, et comme l'a dit M. Stahl, il faut ces documents montrent l'idéologie du FLN à travers l'extérieur, notamment sur le plan international, l'Assemblée générale des Nations Unies, la Ligue arabe, nos amis de l'extérieur, comme l'Europe de l'Est, comme Alors, donc, sur le plan territorial, on doit peut-être dire un mot, parce qu'il y avait le découpage en wilaya, plus la création de la zone autonome d'Alger, parce qu'on doit le... Chaque wilaya est divisée en quatre zones. Non, d'abord, on doit rappeler qu'il y avait des zones, les zones ont devenu wilaya. Oui, c'est un changement de nom. De nom, bien sûr. C'est juste un nom, mais c'est la même chose. On les appelle dorénavant la wilaya. Oui. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'avant, on n'a pas le même découpage entre une zone et une autre. Oui. Et cette fois-ci, non. C'est le même découpage dans toute l'Algérie. Chaque wilaya est divisé en quatre zones. Chaque zone est divisée en quatre régions. Chaque région est divisée en quatre secteurs. Oui. C'est clair. Et à chaque fois, on a désigné comment il s'appelle, quel est le grade de chef de zone, quel est le grade de chef de... Quelle est la composante de son état-major. Le chef politico-militaire. Et à chaque fois, c'est la même règle. Mais c'est toujours le chef politico-militaire. C'est ça que ce qui est important de le souligner, c'était un colonel. La LN. Pour la wilaya. Qui gère la wilaya. Oui. C'est incontestable. À chaque fois, on descend. On descend dans le grade. La zone, par exemple, c'est le capitaine. On descend à chaque fois, mais toujours le même organigramme. C'est-à-dire un chef, trois adjoints.
un politique, un militaire, un responsable de liaison, qui sont des adjoints. Que ce soit pour la zone, pour le secteur, c'est toujours la même projection. Chef, la même, voilà. Je pense que tout ça, je pense que tout le monde a senti l'apport de Congrès dans les maquis. Je vous donne un exemple. Oui. Sur le côté propagande, côté presse, le Congrès a créé un organisme qui s'appelle SPI. Service de presse. Voilà. C'est un service de presse et d'information. Il a donné des ordres, le Congrès, qu'il faut que chaque wilaya doit avoir le matériel nécessaire pour créer une presse de maquis, pour créer des organes, une sorte de journal publié à chaque fois, distribué aux soldats, aux junout, distribué au peuple. Et ça parle des batailles, ça parle de pas mal de choses. Ça s'y fait en Kabylie, ça s'y fait en Wilaya, ça s'y fait partout. On trouve des journaux, plusieurs qui sont publiés, et c'est le résultat de quoi. Par rapport à la justice, il y a un service de justice. Donc, un tribunal, un avocat, le habous aussi, etc. Oui. Tout ce qui concerne les papiers civils, le mariage, tout ça. C'est... Donc, rien n'a été lissé rien n'a été oublié. C'est-à-dire la gestion politico-militaire de... Administrative. Absolument. Il y avait même l'inscription des mariages, des décès, au niveau de chaque village, il y a des registres, en interdisant à tout citoyen d'avoir un quelconque contact avec l'administration coloniale. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est les salaires. Oui. Les salaires. Oui, les soldes. Tout est fixé. Oui. D'ailleurs, même les veuves, Moudjahid, les allocations familiales, et même les nécessiteux. Il y a un pourcentage du budget de la wilaya qui est destiné aux nécessiteux. Ceux qui ne peuvent pas cotiser et ceux qui se trouvent dans le besoin. Et le budget de la Oulatra de 1958 a eu 10% réservé aux nécessiteux. Oui. C'est pour dire C'est-à-dire les victimes des zones interdites. Les victimes civiles, la représentation sont payées. J'ai vu donc des PV de la Oulatra, des PV financières qui sont faits chaque mois, soit par la région, soit par la zone, soit par la wilaya. Et on a un tableau très détaillé. Ah oui. Les recettes et les dépenses. Sur les dépenses, on a toujours le mot victime de la guerre. Oui. On a dépensé combien? Veuve, on a dépensé combien? Maquisard, on a dépensé combien? Tout le monde a sa place, Yann. Absolument. Un partage. Un partage du revenu de. Mais parfois, ça ne marche pas quand il y a eu l'opération Jumel, par exemple. Voilà, pour la portée un petit peu politique de ce congrès, mais il y avait des conséquences terribles sur les populations. Oui, absolument. C'est tous les villages. L'ennemi s'est vengé sur ces villages parce que ce sont eux qui étaient garants de la sécurité du congrès. Parce que dans ces villages, l'ALN s'est organisé, chaque village était organisé en caserne, ma mission caserne, un dispositif militaire, il y avait une ceinture autour des lieux du congrès, et c'est comme ça que lorsque l'ennemi a eu vent de ce congrès, soit par les prisonniers, soit par les indicateurs, les radiés. Donc ils sont vengés et les 14 villages du Doua ont été détruits. Donc il y a eu 14 villages qui ont été ravagés. 14 villages qui étaient ravagés, dont certains, Chihid par exemple, c'est Ahmed Saïd qui sont en face de nous, sont toujours en ruine. Et c'est comme ça que toute la population a été évacuée, les villages bombardés, regroupés au niveau des Zanfran, dans un centre de regroupement. Donc on en a fait une zone interdite. Une zone interdite, est devenue une zone interdite. Partir de 1956 jusqu'à l'indépendance. Après 57. Voilà, pas aussitôt après. Hein. Mais la vengeance est venue quand même, et sans venger. D'un point de vue historique, la France coloniale, elle se venge toujours des peuples. Bien sûr. Sur les populations civiles, n'est-ce pas? Oui, D'ailleurs, même le 20 août 1945, c'est toujours... Les innocents. C'est-à-dire les civils qui restent la principale cible. Oui, donc, qui payent le lourd tribut. C'est une règle coloniale qui est appliquée depuis 1830. Oui.
c'est que la meilleure réponse, c'est ce qu'ils pensent, hein, la meilleure réponse pour dominer le colonisé, c'est la force. Ah, c'est la force. Il faut utiliser la force pour l'intimider, pour que demain, il ne va jamais penser à se révolter, à faire quelque chose. Le deuxième point, c'est le symbole. Donc, ils font des symboles, ils font des leçons. Des leçons. Tel village résiste. Alors, il faut donner une leçon. Demain, les gens ils vont commencer à parler. Voici ce qui s'est passé avec ce village. Voici ce qu'il a fait. Voici le prix qu'il a payé. Donc, c'est comme Zatcha. Voilà. Oui, c'est comme Mourad Ossian-Glan en France. Oui, où on a exterminé tout un village à titre d'exemple pour que les autres fassent un marche arrière. Monsieur Dudetoumi, j'aimerais terminer donc cette émission avec vous. Avant qu'on commence, vous m'avez dit qu'on ne doit pas cesser de rendre hommage. Absolument. À tous ceux qui se sont sacrifiés pour donc, la révolution, mais aussi ceux qui ont pris des décisions au péril de leur vie pour organiser, pour donner une assise à la révolution algérienne. Absolument. Il faut rendre hommage d'abord à ces géants de l'histoire qui ont organisé ce congrès que j'ai appelé les hommes de gloire. Ce sont des hommes de gloire. Et aux collaborateurs, aux djounout, à la population qui ont participé justement à ces... Parce que les enfants, les femmes également, oui, tout le monde, étaient mobilisés. Parce que c'était une mobilisation générale. D'abord, les circulations entre villages étaient interdites. Alors, les déplacements du village vers le centre urbain, interdits également. Les ravitaillements ne se faisait pas à partir des Zanopranes, le centre à proximité, mais pour ne pas attirer l'attention justement de l'ennemi. Parce que il y avait à l'époque, il y avait 3000 moudjahidines ici, disséminés autour des 14 villages. Alors, si on commandait chez le boulanger 3000 pains, donc ça donne à réfléchir à l'ennemi pour dire que y a quelque chose. Donc le ravitaillement se faisait autour d'Akbou, de Sidi Aïch, de Chemini, d'Azikhi, d'Iraram, etc. Pour ne pas attirer l'attention de l'ennemi. C'est très important. Et puis, autre chose également, le génie de ces hommes qui ont organisé des actions de diversion autour de la région. Adkar, Bouira, les Bibans, organiser des actions de diversion contre l'ennemi pour qu'il son attention ne soit pas attirée vers le lieu du congrès. Donc, nous pouvons dire que ces hommes, ce sont des génies. C'était des génies. Des génies de par leur intelligence, leur engagement, leur sacrifice et leur clairvoyance. Et on ne cessera jamais aujourd'hui de leur rendre hommage. Ce sera le dernier mot de l'émission. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir participé donc à cette émission. Je tiens à remercier la wilaya de Béjaïa. Je remercie particulièrement le directeur de la culture de la wilaya de Béjaïa et le directeur des Moudjahidine de cette wilaya. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.